Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Le temps que les avocats arrivent et que vous allez vous faire questionner un par un. Ah, il y a des avocats. En fait, il y en a. Bien sûr qu'il y a des avocats. Sterling Cooper, alors, avocat au gros barreau, messieurs. Ah bah voilà. Monsieur les avocats. Bonsoir, monsieur Sterling Cooper. Attendez. Puis-je discuter au supérieur en privé? C'est celui avec la barbe, en fait, ici là. Alors, la personne en charge de l'enquête, messieurs. Attendez, c'est moi. Je passe un petit coup de téléphone, j'arrive à vous. Ils sont tous dans la même affaire. Je ne les connais pas. Tout à fait. Combien sont-ils? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça. Mais vous n'aurez plus de place en cellule. Cette cellule derrière vous est bien assez grande. Moi, ce que je propose, c'est que. Écoutez-moi, je propose qu'on évacue tous les lieux et qu'on fasse une réunion groupée ici avec nos clients. Chacun reste dans sa cellule et on leur parle tous. Oula, prendre cette initiative, je sais pas. Ça sera beaucoup plus simple, je pense, parce que là, on va être submergé, si vous voulez mon avis. Oui, y'a pas de soucis. On va faire ça. Quoi ? On va faire ça. Messieurs, on va tous vous prendre en même temps. Vous êtes avocats au baron, on vous prend tous, messieurs. Vous inquiétez pas. Vous êtes tous en même coup. Suivons, monsieur. Oui, allô. Écoute-moi bien, tonton. Oui. Tu dis que je les ai tous enculés, qu'à la base, le plan, c'était pas ça. Tu leur dis qu'à la base, je leur avais dit que je comptais ramener une somme d'argent pour leur quartier, qui sont tous dans la merde. Et j'en passe. C'est ce qu'on avait prévu déjà. Voilà. Tu fais un maximum de. Tu sais que t'es fort pour ça. Oui. Tu leur dis de faire en sorte de collaborer avec la police pour m'attraper. Et tu acceptes les bracelets électroniques, on trouvera une solution pour les enlever. Exactement. Très bien. À très vite. Bisous, maman. Bisous, tonton. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est... Ma mère est adorable, Sterling. J'ai hâte que tu la revois. Bonjour, monsieur. Est-ce que on peut vous parler en privé, s'il vous plaît? Ouais. Je vais prendre quand même mes agents aussi. Avant, on parlerait pas d'abord à nos clients, Cooper. On va parler à nos clients, mais... Vraiment, il y a quelque chose de très important par rapport à la première affaire, mon petit Sterling, et je pense que discuter avec ce monsieur... 03, t'arrêtes ce que tu fais, tu viens. Venez, on y va. Ah, c'est ça la notion de privé. Allez-y. On est tous en charge de l'affaire, on est plusieurs, on est une division complète. Très bien, monsieur. Vu qu'on est une division complète, on gère tout ça ensemble, donc allez-y, dites-moi. Messieurs, j'aimerais vous parler avant, évidemment, suite de cette affaire. Est-ce que... Messieurs, en attendant jugement, nous pouvons négocier, d'accord? Il va falloir, mais c'est notre travail, nous connaissons la loi, messieurs, d'accord? Nous connaissons la loi. Est-ce que vous pensez qu'en leur mettant un bracelet électronique, nous pouvons négocier une sortie avant jugement de manière à transformer ces jeunes gens en prison pour qu'ils vous fournissent des informations sur la personne que vous recherchez? Moi, j'aimerais juste dire un truc. D'abord, ça dépendra des interrogatoires. En fait, madame, je vous explique la situation. C'est que un d'entre eux, je ne citerai pas le nom, mais un d'entre eux est prêt à coopérer avec vous pour mettre hors d'état de nuire. C'est l'idée qui nous a été lancée. Vous avez des bracelets électroniques à disposition. Je n'en doute pas, mais comme je vous ai dit, moi, je pense que ça partira aussi. Tout ça, c'est un truc qui est à prendre une décision en pré-interrogatoire. Ils n'ont pas du tout été passés. Écoutez, madame, on va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas, nous connaissons la loi. Nous sommes avocats. Au gros barreau. N'oubliez pas. Ouais, ça me va. N'oubliez pas aussi une chose, c'est notre travail de négocier pour le bien de notre client une liberté pour ne pas qu'il devienne fou. Ça serait dommage qu'il soit jugé comme fou, hein, parce qu'il pourrait sortir pour bien. Surtout que ça pourrait être un atout pour vous. Et de plus, je pense que ça pourrait être un atout pour vous. Qu'en pensez-vous? Okay. Oui, mais on est d'accord avec vous, hein. Je suis d'accord avec vous sur toute la ligne. Non, vous n'êtes pas d'accord. Tout ça sera après. Mais c'est parce qu'on a déjà interrogé quelqu'un, madame. On a déjà interrogé quelqu'un, c'est pour ça qu'on vous dit. Super, y a pas de souci. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous laisser parler avec chacun d'entre eux. Voilà, tous en même temps, parce qu'ils sont vraiment nombreux, monsieur. Voilà, bon, c'est une sacrée équipe, hein. C'est une belle équipe. Donc, ok, bah, pas de problème, on va tous vous les mettre dans une salle, et puis voilà. D'accord. Bah, sinon, vous les mettez tous dans la grande cellule. Monsieur, les intimidés. C'est... Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone pour vous joindre dès que l'interrogatoire est fini, monsieur? 42 95. Très bien. Venez, monsieur Sterling. Oui, je viens. Tyrese, viens avec moi, s'il te plaît.
Ouais. Bonsoir, messieurs les avocats. Merci, avec moi. Alors, est-ce que vous allez interroger notre client, là ? Pas pour le moment, vous inquiétez pas. D'accord, parce qu'il doit pas être interrogé sans notre présence, monsieur. Oui, vous inquiétez pas. Vous avez le droit de garder le silence. Vas-y, Thérèse, tu vas dans cette cellule. Ah, okay. Hop, monsieur, tu viens avec moi. Parfait, tu vas dans la grande cellule, s'il te plaît. Toi aussi, tu vas dans la grande cellule, s'il te plaît. Merci. Les avocats vont vous parler tous en même temps, comme ça, ça ira plus vite pour vous. Ah, moi, je pense merci beaucoup. La porte n'est pas fermée, monsieur. Prends l'avocat. Il y a une seule personne qui a parlé pour nous, ok. Monsieur, prenez un avocat, c'est mieux pour vous. Non. Si, croyez-moi, prenez un avocat, monsieur. Je vais me permettre d'insister sur le fait qu'il faut prendre un avocat, monsieur. Je peux vous poser une question ? Oui, dites-moi. Si mon pas dealer, au moment où ils m'ont lu les droits, c'est un vice de procédure ? Non, c'est pas un vice de procédure. D'accord. Sterling, assure-toi qu'ils ne nous entendent pas de là-haut, s'il te plaît. Non, mais va voir si tu m'entends. Je vais leur expliquer d'autres trucs. Bon, messieurs, écoutez, je m'appelle Monsieur Cooper. Je suis avocat au Gros Barreau. Et voici Sterling à ma gauche, évidemment, avocat aussi au Gros Barreau. Nous sommes donc Sterling et Cooper. Si vous êtes un minimum intelligent, vous ferez très vite le lien. Oui. Nous sommes là pour vous sortir de là le plus tôt possible. Messieurs, je suis navré de vous apprendre que vous avez été dupé par une certaine Effie. Vous comprenez cela ou pas ? Oui, vous avez malheureusement été dupé. Bien sûr. Vous avez donc été dupé. Elle vous a promis beaucoup d'argent pour vous forcer à faire ce que vous avez fait. Hein, de l'argent pour nourrir vos quartiers respectifs, messieurs, vos familles. Hein. Et si vous ne le faisiez pas, malheureusement, il y avait de grandes chances que vous perdiez votre vie et que votre famille aussi. Vous comprenez ça, messieurs ? C'est vrai. Donc, vous avez été dupé et j'en suis navré. Il va donc falloir que vous coopérez avec la police pour donner des informations en échange d'un bracelet électronique qui vous sera posé, d'accord ? Et pour essayer de attraper Effie, cette grande criminelle. Vous comprenez, messieurs ? On comprend. Yeah. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette histoire ? Oui ou non ? Oui, y'a. Yeah. Est-ce que vous êtes tous prêts à collaborer avec la police et ces messieurs les agents ? Yeah. Yeah. N'oubliez pas que dans la vie... Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des hauts et des bas. Et c'est pas parce que vous dites la vérité que vous avez raison, messieurs. Vous voyez ce qu'on veut dire ou pas ? Vous comprenez ou pas ? Oui, on comprend. Monsieur. Très bien, je sais que vous êtes forcément énervé, hein, effectivement, que vous allez mal répondre, et je sais que vous voulez la tête de cette dame. Et Effie Cooper, c'est bien cela ? C'est ça. Elle répond sous le nom de ce même nom ? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est une personne vraiment méchante. J'en sais rien, c'est des hommes habillés en noir qui nous ont payés. Sterling, pour être honnête avec toi, oui, tu n'étais pas là, hein, tu as vérifié s'ils n'entendaient pas. Pour être honnête avec toi, ce qui s'est passé, c'est que ces messieurs ont été dupés par Madame Effie Cooper. Incroyable. Et elle leur promettait à chacun $1 million pour leur quartier défavorisé. Et s'ils n'obéissaient pas, figurez-vous que... ils pouvaient y perdre la vie. Mais je suis outré. Et on fait comment si on a déjà un bracelet ? Est-ce qu'ils ont interrogé notre client sans nous, là, Cooper ? Bien sûr. Normalement, non. Moi, je pense, hein. Monsieur Tyrese, tout va bien ? Tout va bien. Il n'y a pas eu d'interrogatoire, rien ? Non, une simple photo. Ouais. Très bien. Je comprends. Une photo, ouais. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas d'interrogation. Messieurs, nous avons bientôt terminé, c'est une histoire de quelques minutes. Ouais, vas-y, pas de problème. Quelqu'un d'autres questions ? Vous avez l'air très énervé, en tout cas, pour des gens qui se sont fait duper, messieurs. Si, vous êtes énervé, là. C'est plus qu'énervé. Vous voulez vraiment la tête de... Comment elle s'appelle, déjà ? Effie Cooper, on veut sa tête. Ça serait bien de le crier, par exemple. Ça serait bien de le crier. On veut sa tête, Effie Cooper. On va la trouver, cette course. On va la tuer. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Je comprends que vous soyez énervé. On va la trouver. Vous allez voir les vieux couples là. En entretien avec les avocats. Ah d'accord. Vous inquiétez pas. Nous allons parler énervés, ils sont très énervés là. Oui, nous allons parler à l'agent en question et nous sommes de retour, messieurs. Excusez-moi. Comment passons-nous ? On va laisser parler. Excusez-moi, allez-y. Pardon, c'est moi. Excusez-vous. Allez, allez les gars, s'il vous plaît. Putain, j'ai pas envie de gérer des... Si je pouvais contrôler chacun de mes hommes, ce serait tellement plus simple. Ah, je sais bien, monsieur. Je sais bien. Les robots. Ouais, comme les robots. La vie n'est pas ainsi faite, monsieur. Eh oui. Bien. Après interrogatoire de chacune des personnes, si j'ai bien compris, il y a une personne que vous recherchez impérativement dans cette ville. Il y a plusieurs personnes qu'on cherche impérativement dans cette ville. Madame Effie, est-ce que ça vous dit quelque chose, messieurs, dames ? Oui. Effectivement. C'est celle qui a revendiqué la prise d'otage, oui. Exactement. Actuellement, normalement, si je me trompe pas, première en tête de liste, quoi. Ouais, et ben nous avons une très bonne nouvelle, messieurs. La bonne nouvelle, c'est que je pense que ces messieurs, soit ils sont prêts à faire une grosse bêtise, monsieur, si vous voulez mon avis, soit ils peuvent être un atout
considérable, et je pèse mes mots, considérable dans cette affaire en vue de l'arrestation de Madame Cooper. Les mots sont lourds, mais les mots sont vrais. Les mots sont justes, nous sommes la justice et nous n'aimons pas l'injustice. Voilà. Donc, il semblerait, et vous allez constater après l'interrogatoire, que ces personnes se soient fait totalement duper et... Manipulées par cette soi-disant Mademoiselle Cooper, et là, ils en veulent à sa peau. Voilà, je le dis clairement, si ces hommes, et s'ils ne font pas, accord avec vous, ils vont vouloir manger et la manger. Donc dans tout ça, en fait, si je comprends bien, là, ils sont prêts, entre autres, à avoir un bracelet électronique, ainsi que un micro. Oui, l'un d'entre eux est prêt à porter un micro, monsieur. Ça, c'est pas le problème. Moi, ce que je veux savoir, c'est tout ce qu'ils savent. On a des infos, on a des éléments, on peut potentiellement, relier certaines choses entre eux, en fonction des individus, s'ils sont déjà fait attraper. Moi, je veux qu'ils parlent, en fait. Je veux qu'ils donnent un max d'infos. Et je pense qu'ils pourront vous donner leur QG, je pense. En fait, le truc, c'est il est simple. Plus il y a d'infos, plus on sera clément. Plus on est clément, plus il y a de remise de peine, etc. Vous connaissez un peu le truc. Bien sûr, nous sommes avocats, nous connaissons la loi. Oui, bien sûr. Je pense, avec tout le respect que j'ai pour vous, que vous êtes face à un adversaire redoutable, messieurs, dames. Une joueuse d'échecs. Et surtout, exactement, mon Sterling, vous me retirez. C'est des mots forts, encore une fois. Oui, c'est des mots forts que je veux dire de votre langue. C'est des mots justes. Et je pense que vous avez en face de vous une personne très intelligente. Où est passée la personne à la barbichette très volumineuse? Elle est en train de prendre une photo d'un des suspects. D'accord. Pourquoi vous avez besoin d'elle? Bah oui. Il faut qu'on finisse notre conversation. On a toujours besoin d'une personne, monsieur. T'as du mal à te cadrer, j'ai l'impression. Vous voulez quoi? Je peux vous aider? Il va falloir qu'on termine cette conversation, monsieur. Oui, en fait, Ah, mais j'ai cru que vous avez fini vu qu'il est parti. Ah non. Non, il va falloir les libérer. Oui, c'est bon. Écoute. Mais ce qui me turlupine, c'est qu'il va falloir garder pas plus d'un certain temps ces personnes en cellule, messieurs. Ouais, je sais qu'on a un délai maximum. L'action-réaction, plus vous réagissez. Bah justement, on pourrait peut-être commencer, non? Voilà. Voilà, allez vous nourrir de leur haine, et plus vous allez l'attraper. Le problème, oui, c'est que moi, je veux prendre des photos construites pour un dossier, pour un futur jugement, tout simemment. Bien sûr, les photos c'est important. Bien sûr, il faut de belles photos, monsieur, mais je dois les prendre un par un. Il faut les lâcher. Prenez-les. Allez-y, vous pouvez déjà commencer un interrogatoire avec un, là. Mais messieurs, dames, par contre, je tiens à vous prévenir juste que nous devons être là. Oui, je vais procéder avec celui-là qui a le plus besoin de partir le plus rapidement. C'est à droite. Non, venez. Je sais qu'il y a besoin de... Il est en train de faire caca. On s'étuie les fesses. Monsieur Tyrese, il faut se nettoyer maintenant. Allez, sinon c'est moi, je vais vous torcher. Monsieur Tyrese, il faut... C'est qui me veut en photo, là? Faut lever le pantalon. C'est moi. Je vous laisse vous occuper de Monsieur Tyrese. Attends, ici. Oui, dès qu'il reviendra... Je pense qu'il est en train de faire un bon caca, là. 9-4, va me chercher 03, qu'elle me rende la carte d'identité du gars, là. Tu dois suivre la dame qui fait l'interrogatoire, Sterling, pour être sûr que tout se passe bien. Oui, elle nous a pas prévenu, d'ailleurs. Oui, bah oui. Elle fait beaucoup de choses en cachette, celle-ci. Sterling Cooper, avocat. Ok, ça marche. Vous voulez des petits nuggets, madame? Vous avez l'air énervé, madame. Non, juste des personnes compétentes. Ça vous avez appelé Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, alors. On est là, madame, on est là. Nous sommes là, vous inquiétez pas. Monsieur, du coup, redites-moi votre nom, prénom, excusez-moi, encore une fois. Eric Winkler. Ok, super. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, de votre point de vue, tout ce qui s'est passé sur les lieux ou avant de votre arrestation, s'il vous plaît? Ça marche. Alors, tout d'abord, j'étais au gouvernement. Je travaillais là-bas d'après-midi. Vers les coups de 17h, je suis parti en balade avec une fille. Vous pouvez l'appeler Nomilda. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pendant la balade, elle est partie dormir. Du coup, je suis revenu parking central. Comme j'étais aussi, madame la présidente, justement, est au courant, j'essaie de m'infiltrer dans un groupe où je connais une personne qui y est. Sauf que dans ce groupe, j'ai eu un rendez-vous. Je suis allé dans ce rendez-vous pour parler puisque je reçois des informations. Sauf que dans ce rendez-vous, justement, on m'a pointé avec une arme. C'est pour ça justement que j'avais pas mon arme quand vous m'avez fouillé parce qu'ils me l'ont prise. Ils m'ont fait habiller en noir et ils m'ont proposé d'abord $1 million pour que je puisse faire effet de masse au niveau de la station de service, il me semble. Sauf que j'ai refusé les $1 million. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont pointé directement avec une arme et qu'ils ont menacé mes proches. Il est con, il a pas compris. Les agents de sécu, la présidente et la fille avec laquelle j'étais en balade.
Horrible, ça me fait mal d'entendre. Ok, quel groupe? Justement, j'ai pas leur nom pour l'instant, j'essaie de les infiltrer et j'ai pas encore leur nom. C'était pour ça le rendez-vous. Mais c'était pour. Bah, en fait, j'ai une personne et justement, elle essaie de mettre des. Enfin. Lâchez un nom, monsieur. N'hésitez pas, lâchez un nom. Coopérez, lâchez un nom. Il faut des informations, si vous coopérez pas, vous ne sortirez pas, monsieur. Je pourrais lâcher un nom. Il faut le faire. Il faut le faire, monsieur. Dans tous les cas, je pense qu'on est. Dans votre intérêt. Je pense qu'on est possiblement du même côté, donc je verrais pas quel est le but de mentir actuellement. Voilà. À moins que vous ayez des choses à cacher, mais dans ce cas-là, c'est pas du tout. Monsieur, donnez des chips à manger à cette dame et la faim, monsieur. Il faut la nourrir. Non, c'est bon. Vous la connaissez d'où? C'est combien de temps que vous si la connaissez? Si vous regardez mon téléphone, vous m'autorisez à juste à regarder pour que je puisse revoir le nom. Vous regardez mon téléphone, y a pas de soucis pour ça. Allez-y. Je regarde juste dans les messages, justement, parce que je mets pas les noms des messages. Sterling, j'appelle maman, Sterling. Bien sûr, mon cher. Dis-lui pour la soupe de demain. Oui, toujours du poivron, hein. C'est là. Poivron, pois cassé. Oui, maman, allô. Ça va, maman? Tonton? Oui. Bah oui. Ça va? Bah oui. Mais t'es ma mère, hein. J'ai pas le choix. Ça va, mon tonton? Oui. Oui. Donc, du coup, tout se passe bien? Oui, tout se passe très, très bien. Ils vont pas tarder, Les poivrons, vont pas tarder à sortir du congèle. Il va falloir que ça chauffe un peu. Il va y avoir des jugements ou pas? Il y aura des jugements. On va juger des poivrons. On n'a pas le choix. Okay. Mais il y a du monde autour de toi vraiment chaud. Vous allez bien? Oui. Dis-leur d'aller baiser leur mère. Oui, c'est ça a été dit. Ça a été dit plus d'une fois. Mais ça, ils arrivent bientôt. C'est aberrant d'entendre. Par contre, très bien, tonton. Non mais n'oublie pas un truc, ma petite puce. Ouais. N'oublie pas qu'il y a des bracelets, hein. J'oublie pas, t'inquiète pas. Voilà, d'accord. Donc. Ah bah vous pouvez dormir là, monsieur. Voilà. C'est des beaux bracelets. Ah non. À très vite. Vous menaçant, ainsi de suite. Excusez-moi. Mais du coup, ils vous ont pas rendu votre arme pour les aider à braquer avec eux. Bah non. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de monsieur Tyrish qui est de retour? C'était mon arme de service et ils m'ont pas rendu du tout. On finit avec lui et on va s'en occuper très vite. Très bien, merci. Bah là, je me suis fait arrêter. Je pense qu'après, ils voulaient peut-être me la rendre enfin. Mais là, comme je me suis fait arrêter, ils ont pas eu l'occasion de me la rendre. Ok, et c'est la présidente qui vous a dit d'aller comme ça? Elle est au courant. Elle m'a pas dit d'y aller directement, mais elle est au courant que je vais soutirer des informations. C'est l'initiative de qui? Alors c'est Ida, c'est la vendeuse. Mon client, je me permets de parler à sa place. Vous êtes dit comme ça en claquant des doigts. Vous laissez parler comme si peu. Mon client, ses motivations, certes, ne sont peut-être pas les plus judicieuses, mais elles sont néanmoins valables. Hein. C'est à son propre risque et à son propre chef et péril que mon client a décidé effectivement de se rapprocher de ce groupuscule. Hein. Maintenant, il en paye les conséquences, malheureusement. D'accord. Moi, j'ai une question pour notre individu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Garde du corps. D'accord. Êtes-vous agent secret? Êtes-vous missionné pour faire autre chose que garde du corps? Pas du tout. Donc, vous étiez bien conscient que vous embarquez dans ça allait être très, 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 très risqué. Avez-vous déjà eu un proche, justement, qui a été exécuté sous vos yeux? Venons-en, au fait. Parlez-nous-en. Cette personne que je vous ai dit, justement, m'a parlé. Vous connaissiez 01 ou pas? 01 du gouvernement. Chef de la sécurité. Raconte. Putain. Oliver Pierce. Ouais, ok, on connaît. Bah, c'était un proche. Et cette personne, justement, m'a laissé pour croire que Oliver Pierce pourrait être toujours en vie. Et m'a donné, essayé de me donner des arguments à la personne que je vous ai donné. Qui est cette personne? Non. Hilda? Jason Rose. Ah, non. Jason Rose. Je pense qu'il faut coopérer Jason sur la personne qui. Monsieur, qui vous a demandé de faire tout cela? Qui Oui. Faites un effort. Il faut coopérer. Il faut donner des noms, monsieur. Mais là, vous parlez de la scène qui s'est passée juste avant. Vous êtes là pour ça. La suissance. Oui. Bah ça, c'est des gars armés en noir. On m'a dit que c'était une cause défi Cooper et que je devais être payé 1 million, sauf que j'ai refusé. Du coup, ils m'ont braqué directement en menaçant mes proches. De toute façon, ça, je vous l'ai déjà dit. Ok, est-ce que tu peux me passer ta carte SIM, si possible, pour que je puisse prendre le numéro de ce fameux Jason Rose? Y a aucun problème, je passe ça. Ça me dit quelque chose, cette identité, par contre, Jason Rose. Je crois que c'est le patron mécano, je crois, mais je suis pas sûr. J'ai déjà pris une plainte pour lui. Et je vous donne ça. Il y a des gens qui prennent des notes, là, j'espère. Hein. Je pense qu'il faut vraiment suivre... Excusez-moi, je pense qu'il faut vraiment s'occuper de Tyrese, parce que ça commence à faire très long. On va terminer avec lui rapidement. Oui, mais son histoire est très longue aussi, un peu trop longue. Il faut faire sa carte. On va vous ramener en cellule, le temps de faire l'autre, et on vous reprend directement après, ça vous dérange pas? Allez-y, pas de soucis. Allez, mais là, Sterling, il faut qu'on gère... Je sais, mais 2 secondes. Il faut faire vite. Il faut faire vite. C'est moi ou le client n'a rien compris qu'il a... Oui, le client... Oui, mais bon, D'accord. C'est bon. Allez, venez. Oui, il voulait la chaise mettre ou... Mais pourquoi vous l'emmenez ici? Assieds-vous. Pourquoi on l'emmènerait pas ici? Et pourquoi vous l'emmenez ici? Bah, vous voulez qu'on l'emmène où?
Tu viens? C'est une salle d'interrogatoire? Mais l'autre non, était mais... mieux. Tu viens 03? Eh bien, monsieur Tyrese, je ne connais plus votre nom de famille. Bon. Allez, on vous écoute. C'est-à-dire, ce qui s'est passé? Bien sûr. Mais écoutez, quand j'ai attendez, dit... attendez. Je pense qu'il faudrait dire à mon client des questions précises, voyez-vous. Et surtout, aux clients, s'il vous plaît, c'est... faites vite parce que vous êtes très nombreux. Allez-y au c'est... but, comme avec vous. C'est dans son intérêt de nous raconter tout ce qu'il sait. Mais non, mais oui, je sais bien, mais autant aller plus vite en posant des questions directes. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous faisiez en tant que preneur d'otages à la station essence Très bonne question. C'est vrai, t'as répondu à la question. Eh bien, écoutez, c'est clair et net. Moi, on m'a pris en train de travailler, on m'a menacé en me disant que si je n'avais pas de policiers qui étaient soupçonnés de ma vue, j'allais mourir. Donc, moi, avec mon petit corps, j'ai fait au mieux. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai dit, on est venu voir sur mon lieu de travail, on m'a menacé avec des armes assez lourdes d'ailleurs, et on m'a dit, c'est soit je kidnappais donc, deux agents de police, 68 et 15, qui étaient soupçonnés de ma vue, soit je me prenais une balle. Ou soit on vous donnait un sacré montant de mémoire. Ou soit c'est ça, un sacré montant de d'un million de dollars. Voilà. Je sens qu'ils vont tous avoir la même version. Ouais, j'ai bien l'impression aussi. Ouais. Kidnapper deux personnes, hein. C'est ça. Soit deux agents, soit j'ai pas compris une somme d'agents, j'ai pas compris par rapport à la somme d'agents. Dites-moi tout. En gros, c'est donc soit je kidnappe les deux agents et j'empochais un million de dollars. Donc soit... une récompense de 2 millions pour les deux agents, c'est ça? Non, 1 million pour les deux. Oui, une récompense de 1 million pour les deux, c'est bien ce que j'ai dit. Ouais. Et soit sinon je me prenais de balle. Soit vous étiez sous pied sous terre. Très bien, ok. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner pour réduire votre peine, bien sûr, concernant la personne qui vous a forcé à faire ça? Les noms, malheureusement, non, parce que vous savez, comme tout bandit, est-ce que, vous pourriez donner à ce cher monsieur un endroit de réunion commune? Ou est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont l'habitude de se réunir, ces personnes? Mais écoutez, pas du tout, moi, comme je vous ai dit. Si, réfléchissez bien, monsieur. Bah, c'est là où j'ai été emmené tout à l'heure. D'accord. Et donc près de l'aéroport, un QG, dans un bâtiment, dans quel est-ce, monsieur? Oui, dans un bâtiment, donc c'est une sorte d'ancienne casse à la sortie de l'aéroport. Une sorte d'ancienne casse. Oh, c'est une très belle information, ça que vous donnez, monsieur. Oh. Très belle information. Ok. Continue un peu l'interrogatoire, je vais chercher les bracelets en attendant. Très bien. Problème, monsieur? Oui, monsieur, dites-moi. Non, c'est juste moi, je vous demande s'il y a un problème. Parce que non, c'est parce que je dois avoir rendez-vous avec le président et j'arrive pas à le joindre. Voilà, okay. Je m'en occupe juste après, hein. Je dis juste que je m'entendais pas une affaire aussi longue. Oui, le président, oui, monsieur. La présidente? Ah non. Ou alors on m'a menti, monsieur. Ça serait... moi, on m'a dit qu'il y avait plus de président, que c'était la présidente maintenant. Bah, il est devenu quoi, ce président, alors? Je lui ai parlé tout à l'heure. Bah, il me semble plus qu'il soit président, je crois. Il est quoi? Attendez. Excusez-moi. Connaissance, il est plus président. Après, peut-être demander lui, je crois qu'il... Ah, d'accord, il a juste omis de me donner ce détail, alors, et c'est très embêtant. Bah, okay, il est quoi, bah, alors écoutez, il est civil, il est en je prison sais plus, je sais plus trop exactement, mais en tout cas, je sais que c'est la vice-présidente qui est passée au pouvoir. Hein. Et d'accord, et quel est son nom, prénom? La présidente? Oui, bah oui. J'ai que son numéro de téléphone. Je connais pas le nom. Bon, écoutez, je verrai avec l'ancien président alors. Mais rien de mal. En fait, la vice-présidente est passée présidente, en fait, tout simplement. Oui, mais le président, il rien de grave à ce qu'il y est arrivé. Non, je crois qu'il a juste fait une passation de pouvoir et qu'elle s'occupe de la présidence jusqu'à la fin du mandat actuel. D'accord. Bon, c'est toujours bon à savoir. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Allez, tu viens 03. J'ai pas entendu le nom de groupe. Rien du tout. Ah, du tout. Ouais, et si je vous dis les Autrichiens? Qu'est-ce que ça vous est... Ça ne vous dit rien? Bah, moi, ça m'évoque sûrement des habitants d'un pays, c'est tout. Ok, parce que vous étiez présent, du coup, à la station essence. Oui. Il n'y a pas du contraire. Ah, puis, quand vous disiez à vos collègues, moi, je connaissais pas forcément les gens. Ils sont venus me chercher, les gens en question sont venus d'accord, me chercher. D'accord, mais étant donné que vous avez été, entre guillemets, missionné au péril de votre vie... Mais je suivais ce qu'on disait simplement, vous savez, je suis pas non plus un grand criminel, hein. Ok. Écoutez, on va lui foutre un bracelet, hein. On va lui foutre un bracelet, et puis voilà. Hein. Normalement, on devrait attendre le proc, mais je pense pas qu'il soit là. Du coup, je vais quand même le faire, je ferai mon rapport après. Pas d'autres questions? Comment ça marche, du coup, si vous mettez un bracelet? Vous serez dans l'obligation de pointer tous les soirs entre 21h et 22h. Ok. Et si vous venez pas pointer un soir, on vous envoie à la cavalerie. Ok. Et vous n'aurez pas le droit de quitter. Il faut être très sérieux avec ça. Voilà, et vous n'aurez pas le droit de quitter. Je monte sur la table pour être bien entendu, il faudra être très sérieux avec ça. Descendez. Voilà,
préciser, je préfère préciser. Non, okay, mais du coup, attendez, juste une information. Vous travaillez, bien au studio, c'est ça? C'est ça, patron du studio, oui. Oui, c'est un artiste, monsieur. Oui, oui, bah, pour... Yes, levez-vous. Bon. Il reste à peu près 6 prisonniers à faire. Enfin, ouais, ouais. Donc, monsieur, à demain entre 21h et 22h. Pas de soucis, à demain. Merci, voilà. Monsieur les avocats. Ouais, Cooper, faut venir. Et si vous tentez quoi que ce soit, bah, brisez votre bracelet, on sera prévenu aussi. Je suis pas forgeron. Voilà, je fais juste le petit rappel pour demain, vous... 21h à 22h, oui. Parfait. Et ben, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Nous reviendrons. En temps voulu, monsieur. Oui. Et venez, si venez. On avait... Hey, Cooper, si on avait parié qu'il allait sortir ce soir, alors vraiment, on mérite une belle somme d'argent. Oui. Vous avez payé, monsieur. Vous... Non, mais vous inquiétez pas, je comptais vous faire... Par contre, attention à une chose. Ils vont certainement essayer de vous tracer avec ce petit truc. Donc attention à vos rendez-vous. Oui. On va vous déposer quelque part pour que vous puissiez... Au parking central, ça ira. Vous voulez pas appeler... Cooper, on est des professionnels. Vous voulez pas appeler une certaine personne? En tout cas, merci à vous. Je dis, si au cas où demain on se recroise, je sais pas si vous revenez au commissariat ou quoi que ce soit, je payerai mes honoraires directement. Très bien. Où est le parking central? Vous pouvez le mettre derrière vous. C'est un très bon pilote, vous savez. Il ne le sait pas, mais il va le découvrir. Mais j'en doute pas, je suis sûr même que vous allez faire un dérapage à pied pour arriver en classe. C'est ça. Regardez ce qu'il va faire maintenant. Regardez. Voilà. Oh là là, incroyable. Nous sommes des avocats, nous connaissons la loi. Voilà, monsieur. À très bientôt. Parce que là, ils peuvent le tracer et trouver. Oui, t'inquiète pas, tout est prévu. Il faut voir les autres sortent bien, normalement. Oui. Et en tout cas, on est très très bon. Je m'étonne de mon pouvoir de séduction. Je t'étonne aussi. Et t'étonne-moi. Je te laisse les rejoindre, j'appelle les... Tout va bien, compère. C'est bon, t'as l'attaché qui est... J'arrive, je te rejoins. Oui, rejoins-moi. Préviens qu'il y en a un autre qui sort, là. Merci, voici. Elle est injoignable, j'espère qu'il lui arrive rien. Voilà, il va nous payer plus tard, lui aussi. On va se faire beaucoup d'argent, compère. J'y crois moyen. Et on y croyait moyen de les faire sortir, déjà. Oh là là, arrêtez ça. Que se passe-t-il? Stop, calmez-vous. Messieurs, calmez-vous. À l'aide. C'est bon, stop. Je vous ai dit, c'est moi qui... Oh là là, il fait une crise d'épilepsie. On est énervé, ça y est. Il faut pas faire ça, messieurs. Il fait une crise d'épilepsie. Quelqu'un convulse. Mettez-moi. Attendez, bougez pas. C'est bon, monsieur. Non, tirez-moi le bois fort de côté. Voilà, on le sait. Non, monsieur, faut me lâcher. Attendez, venez à la porte. Ah bon? Ils sont partis. Effectivement, on a fait notre boulot, allez, on a fait notre boulot. Les autres, ils ont qu'à se battre. Oui, allô, monsieur? Oui. Ici Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. Oui, je vous écoute. Vous êtes parti, mais vous avez laissé des gens en cellule. Oui, on a été dans l'obligation, on a eu une affaire qui demande toutes les unités, on a dû partir en urgence. On leur a proposé de se reposer et de s'occuper d'eux première heure dès demain, vraiment. D'accord, très bien. Bon, parce merci que, beaucoup. Alors. On n'a pas pu faire autrement. Merci voilà, beaucoup. Pas de soucis, merci à vous. Au revoir. Apparemment, il y a une grosse affaire et il se passe des choses. Donc, ils leur ont proposé de se reposer, ils s'occuperont d'eux demain première heure. Oui, voilà, demain il se repose. Bon, ok, rentrons. Je suis fatigué. Oui, moi aussi, Cooper, je veux aller dormir. Dormons. A encore rayonné, j'ai envie de vous dire, mon cher Cooper. La loi a encore vaincu, la justice a encore brillé. Je suis fatigué, Sterling, de toutes ces affaires. Vous allez bien, Sterling? Je suis fatigué, Cooper. Oui, je comprends. Je suis fatigué aussi. Vous savez ce que je vous propose? Une petite camomille. Je suis fatigué, Cooper. Et au lit.